Bonjour. Bonjour tout le monde, merci d'être là à cette belle 4e édition d'Humanisciences. Donc, 4 éditions, on a déjà parlé de VIH, de douleurs chroniques et de la crise des opioïdes. On a parlé de transplantation. Et ce soir, on va jaser de l'arthrose du genou avec mes invités qui sont ici. Donc, Humanisciences, ça se veut une soirée causerie où l'on discute de science, bien sûr, mais en mettant de l'avant un petit peu plus l'humain. Donc, vraiment le citoyen, l'utilisateur des soins. C'est un peu une idée pour faire un pont entre ce qu'on fait ici dans le centre de recherche et les soins cliniques qui sont dispensés de l'autre côté de la rue. Donc, essayer de démontrer que finalement, la science, c'est pas si compliqué, puis d'intéresser le grand public le plus possible à ce qu'on fait ici. Donc, le format de la soirée est assez simple. Donc, comme vous voyez, moi, je suis modérateur, je m'appelle Alexandre Grégoire. J'ai mes 4 panélistes avec moi, donc on va faire un petit tour de table. Puis bientôt, on va quand même ouvrir les discussions à tous. Donc, un petit peu, la dernière demi-heure, en fait, sera ouverte à toute la salle. On est live présentement sur Facebook. Aussi, c'est un enregistrement c'est enregistré, donc on pourra aussi le revoir par la suite si vous voulez le partager. Et donc, avant de laisser donc la parole à nos invités, j'aimerais juste mentionner que la soirée Humanisciences est une collaboration entre le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public qui est situé ici au Centre de recherche et bien sûr, le Centre de recherche du CHUM. Donc, j'ai à mes côtés Nicolas Hagemeister, Bruni Surin, Philippe Landry et Mme Marie-Hélène Mété, qui sont ici avec moi pour discuter de l'arthrose du genou. L'arthrose du genou, j'en souffre. Alors, je trouve ça intéressant comme sujet ce soir. Puis j'en souffre, puis j'ai eu plusieurs pathologies dans ma vie. Je suis un patient partenaire du CHUM. J'ai été transplanté des poumons, du foie, j'ai le diabète, la fibrose kystique, donc je suis magané. On pourrait dire ça. Mais l'arthrose du genou, je vous dirais que c'est une douleur qui est chronique tous les jours. C'est quand on mange, on monte les escaliers, on s'en ressent. Quand je joue par terre avec mon enfant, je m'en ressens. Je m'en ressens tout le temps. Et alors, je trouve ça parfois plus difficile, l'arthrose du genou, que bien d'autres pathologies que j'ai. Alors, je laisserai peut-être la parole pour commencer à Marie-Hélène. J'aimerais savoir l'arthrose du genou, la qualité de vie. Comment tu l'as vécu, puis aujourd'hui, comment ça se porte? Moi, je commencerai par dire que je l'ai vu venir. J'ai commencé à avoir des douleurs dans le genou suite à des accidents de ski alpin et de ski nautique il y a très longtemps. Puis en plus, c'est dans ma famille, du côté de mon père, tout le monde est arthrosé, du genou, des mains, de la colonne. Alors, je l'ai un peu vu venir. Ça n'a pas été tellement un choc quand j'ai appris que je faisais de l'arthrose du genou, de l'arthrose cervicale et de l'arthrose aux mains. Je fais aussi de l'arthrite, puis tout à l'heure, je pense qu'on va revenir, puis on va faire la différence, parce que je pense que c'est très, très important de faire la différence entre ces deux formes de rhumatisme. Je fais de la goutte. C'est une arthrite au pied, dans mon cas, et c'est très inflammatoire. Mais l'arthrose du genou, j'ai toujours été quelqu'un qui bougeait, j'ai toujours marché, j'ai toujours fait de l'exercice, j'allais au gym. Les dernières années, à la ménopause, la préménopause, ça a été plus difficile. À la ménopause, tout se déglingue. L'arthrose aussi. Alors, j'ai eu la chance, le grand bonheur, j'ai toujours le grand bonheur d'avoir une merveilleuse belle-fille, qui est ici d'ailleurs, qui travaillait comme chercheuse. C'était ça, hein? T'étais chercheuse? Non. Oui, en tout cas, je ne dirai pas ce que tu faisais. Nicolas le dira ou tu le diras après. Et c'est elle qui m'a parlé du genou, du projet de recherche sur l'arthrose du genou. Et ils m'ont accepté dans le programme. Et là, j'ai découvert plein de trucs. Parce que déjà, j'avais réussi à dépasser quelques crises avec... Je bougeais, je nageais, j'allais au gym. Mais il y a plein de trucs que je faisais qui n'étaient pas corrects. Donc, j'avais toujours une douleur aiguë qui revenait puis qui pouvait durer quelques jours. Là, j'ai commencé à comprendre ce qu'il fallait que je fasse, ce qu'il fallait que je ne fasse pas. Et la douleur aiguë n'est jamais revenue depuis un an et demi. Wow.
J'ai des fois des douleurs. Comme cet été, j'ai fait une crise de goutte. Alors, j'ai arrêté de faire des exercices. J'ai même arrêté de marcher parce que j'en étais incapable. Au bout d'un mois, je me suis rendu compte, oh, que ça faisait mal. J'ai recommencé tout de suite mes exercices. La douleur est disparue. C'est vrai qu'elle est toujours là, la douleur. Elle est toujours en fond de trame, là. Les mains, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai des exercices. Mais... Puis la colonne cervicale, il y a des exercices aussi. Alors, quand on connaît les bons exercices, qu'on bouge, moi, dans mon cas, ça n'a pas été une fatalité. Je ne pense pas que c'est une fatalité non plus. On peut très bien vivre avec l'arthrose si on comprend les mécanismes et s'il y a des ouvertures chez les médecins. Le projet ici, c'est absolument extraordinaire, puis il faudrait que ça soit connu, puis il faudrait que ça soit ouvert, démocratisé, parce que c'est très, très important, puis je pense qu'on sauverait beaucoup d'argent. Moi, en tout cas, je vis mieux depuis que j'ai rencontré les gens du projet. J'ai plus mal, mais je bouge. Je garde un poids santé, j'essaie. C'est pas toujours facile à la ménopause, mais je bouge. Tout le temps. Puis si on n'a pas besoin d'être un brunissuri hein, pour bouger, un brunissurin pour bouger, on va marcher. Ça ne demande pas de qualité spéciale. Alors, marcher 30, 40 minutes par jour d'un bon pas, bouger, c'est ce qu'il faut faire. Puis ça fait plus mal après un bout de temps. Puis aussi, la douleur, c'est beaucoup entre les deux oreilles. Hein. Alors, quand on la cultive, puis qu'on a peur et qu'on craint, bien, elle s'installe, puis elle part plus, malheureusement. Voilà, c'est ce que je dis. Merci beaucoup, Marie-Hélène, c'est très gentil. Oui? En fait, on va faire un tour de table, les cinq, en fait, les quatre, puis ensuite, je vais faire une période de questions. Ça ne sera pas très long. Gardez ça précieusement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, plus qu'on parle d'arthrose du genou, puis j'en parle beaucoup avec l'organisation de cette soirée-là, mais on a l'impression qu'il n'y a rien à faire pour l'arthrose du genou, que ça va rester, puis qu'on doit endurer. Puis souvent, là, quand on est plus jeune, puis on se dit, bien, ça n'a pas de bon sens, là, je vais vieillir tranquillement, 5 ans, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qui va se passer rendu là? Donc, c'est ce qui est le plus impressionnant là, avec cette nouvelle technologie qui a vu le jour il y a quelques temps. Bruni, quand on est un athlète de haut niveau, j'ai l'impression que pas nécessairement de perdre un genou, mais de perdre un peu les facultés qui sont aussi importantes pour sa vie. Comment on vit ça? Au début, si j'ai pris ça, c'était sous le coup quand j'ai entendu le médecin m'a dit le mot arthrose. C'est comme si ça rentrait de l'oreille gauche, ça sortit, je ne comprenais pas. Puis je me suis dit, écoute, ça n'a pas d'allure. Je suis un ancien athlète. Puis quand tu es athlète, t'as ton impression, t'es comme un Superman, là. T'es comme, écoute, t'as été aux Jeux olympiques et tout, t'es comme invincible. Puis là, le médecin qui te dit, ben écoute, tu fais de l'arthrose. Pour moi, c'était comme, oh my God, je suis fini. Comme tout le monde. Ça a été vraiment ça. Puis je me rappelle quand je suis sorti du cabinet du médecin, je pleurais quasiment, là. Puis comment ça a commencé, c'est que je jouais au soccer, puis... À un moment donné, j'ai eu un mal de genou. C'est comme très, très aigu, comme à l'intérieur du genou. Et encore là, comme ancien athlète, tu te dis, bon, c'est pas grave, tu mets de la glace, le lendemain, c'est correct. Puis c'est effectivement qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mis de la glace. Puis le lendemain, je marchais avec un angle. Je pouvais pas marcher droit parce que ça venait me chercher, ça me faisait mal. Puis là, j'ai fait un peu de physio pendant 2-3 semaines. La douleur était encore là. Puis c'est là que j'ai été voir mon médecin. Puis là, mon médecin m'a consulté. Il n'était pas trop sûr. Il me dit, pour être sûr, pour avoir l'esprit tranquille, va faire une résonance magnétique et une radio. Puis c'est là qu'il m'a dit que j'avais la radio, l'arthrose du genou. Puis veux pas, il m'a dit que c'est tous les entraînements aussi que j'ai fait. Il y a beaucoup d'usure là-dedans. Puis quand j'ai fait mes recherches en sprint, à chaque foulée qu'on fait, ça représente de 4 à 5 fois le poids de notre corps sur les articulations. C'est énorme. Quand j'ai commencé, j'ai découvert, ils m'ont conseillé la genographie. Puis, bon, c'est avec Philippe, justement. Puis, bon, il m'a dit, ben voici ton diagnostic, voici les exercices que tu dois faire. J'avais un élastique,
puis me montrait tous les exercices que je devais faire. Il m'a donné la feuille. Puis quand je suis allé au gym, je ne le faisais pas vraiment. Parce que, tu sais, au gym, j'arrive, c'est tout des gars. Monsieur Gobois, je ne voulais pas arriver avec mes petits élastiques. Je voulais pas faire ça. Fait que là, je ne l'ai vraiment pas fait. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que après, je pense que c'est un an après, quand j'ai fait d'autres tests, ça a empiré. Puis c'est là je me suis dit, waouh, là, ma santé, mon genou s'en allait comme ça. Je dis, là, il faut vraiment que je me prenne en main. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes exercices. J'ai un entraîneur privé que j'engage une fois par semaine que je fais méthodiquement, je fais mes exercices. Je veux pas, on en parlait tantôt. Il faut s'investir. Notre santé, oui, des fois, bon, ça ne nous tente pas de faire de l'activité physique et tout ça. Puis moi, je dis aux gens, on a un devoir. Si vous voulez être en santé le plus longtemps, faites vos exercices. Aujourd'hui, je vis la douleur, je ne le sens pas. Je marche normalement. Puis ça, c'est grandement grâce à toi. Ouais, il a été, il m'a vraiment, vraiment poussé. Puis je suis vraiment reconnaissant. Puis mon devoir aussi, c'est de dire aux gens d'essayer la génographie parce que je vois que les bienfaits que ça fait, mm-hmm. on peut tous en bénéficier. Tout à fait. Là, je viens de mettre justement le graphique là, dont tu me parlais. Puis donc ça démontre un peu ce que tu nous disais là. Ouais. Mais c'est, puis moi, quand j'ai lu un petit peu la présentation à Bruni tantôt, moi aussi, je l'ai fait, la génographie. Je l'ai fait il y a environ 2 ans. Puis, bon, pas parce que j'étais gêné au gym, là, je ne suis pas comme Bruni Surin, mais effectivement, les exercices d'élastique, je les ai laissés tomber assez vite, puis les douleurs sont revenues, puis je suis persuadé qu'aujourd'hui, ma condition est pire qu'elle l'était avant. Donc, là, Philippe m'a dit, là, faut que tu viennes me voir, là, on va reprendre ça en main. Nicolas, donc, il faut parler de cette technologie-là, la fameuse technologie. Est-ce que tu voudrais qu'on commence par mettre la vidéo? Oui. Peut-être, oui? Bonne idée. Parfait. Donc, vous voyez, c'est un harnais qui vient se positionner sur la cuisse et aussi sur le tibia, sur la jambe. On fait marcher les gens sur un tapis roulant. Et pendant qu'on marche, ce qu'on enregistre, c'est le mouvement tridimensionnel du genou à la marche. C'est un peu comme un électrocardiogramme du genou, finalement. Donc, vous voyez, ça donne des courbes. Et on va comparer la démarche d'un patient donné à ce qu'on connaît comme étant des normales en termes de démarche. Donc, à la fois, notre genou bouge en flexion-extension, mais il y a aussi des petites rotations qui ne sont pas visibles à l'œil nu et que l'appareil est capable de mesurer. Donc, à partir de ça, si tu veux changer à la prochaine diapo. Ce que ça sort, je dis un électrocardiogramme, mais c'est comme une prise de sang aussi, c'est que ça va nous dire quels sont les aspects de notre démarche qui font défaut. Donc, on appelle ça des facteurs mécaniques à risque d'arthrose. Et donc, dans le cas de Bruni, on lui a donné ces petits drapeaux rouges en disant, voilà, ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne façon de marcher. Et à partir de cette information-là, on va combiner ça avec un examen qui est fait par un physiothérapeute. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer des recommandations de prise en charge aux médecins et aussi aux patients. Ça veut dire qu'on va lui donner les fameux exercices dont vous entendez parler. Ce sont des exercices spécifiques, relativement simples à faire à la maison, qui sont des exercices qui devraient corriger les fameux facteurs mécaniques, les petits drapeaux rouges qui ont été identifiés chez un patient donné. Donc, au lieu de faire une prise en charge un peu générique où on donne la même chose à tout le monde, on va mesurer quel est le défaut mécanique de la personne et on va lui donner des fois aussi des orthèses, ça dépend. Il y a des fois, on doit porter des orthèses plantaires ou des orthèses de genoux. Et les exercices pour réaligner notre genou. Et ça, c'est une technologie qui a été développée ici, à Montréal, par des chercheurs montréalais et commercialisée par une entreprise qui s'appelle iMovie, qui a commencé ses activités en 2009 et qui a ouvert la première clinique du genou privée au monde. À Laval, au centre du genou de Laval. Et aujourd'hui, la genographie est disponible, je pense, dans presque 14 ou 15 points de service à travers la province du Québec. Et le projet de recherche dont on parle,
ça, l'idée de ce projet, c'était d'essayer de voir est-ce que cette technologie-là est utile lorsqu'on prend en charge des gens qui ne vont pas payer pour la technologie. Parce qu'on savait qu'au centre du genou, c'était payant, les gens allaient mieux, on avait plein de bonnes données. Mais qu'est-ce qui se passe si on propose ça au patient qui, a priori, n'est pas particulièrement motivé, n'est-ce pas, comme toi ? Comme moi. Qui n'a pas envie de payer pour la technologie et qui ne sait pas trop quoi faire avec son arthrose. Et donc, les résultats sont très encourageants. Effectivement. Et là, je le vois, je me fais chicaner. Je vais y aller. Mais Nicolas, aussi, je pense que c'est important de mentionner que l'arthrose et l'arthrite, hein, on voulait aussi mentionner d'entrée de jeu que l'arthrose et l'arthrite, c'est deux pathologies différentes. Puis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? Oui, en effet, les gens, je ne sais pas qui parmi vous ici sait la différence entre l'arthrose et l'arthrite. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent? Vous voyez, il y a quelques personnes qui savent. Ça va être utile cette soirée. Mais... ce sont deux maladies qui se ressemblent beaucoup en termes de symptômes, mais dont la cause n'est pas la même. L'arthrite, en fait, c'est une maladie inflammatoire qui va attaquer en général plus que, on va dire, deux articulations et qui est vraiment une inflammation plus généralisée de son corps. Alors que l'arthrose est une dégradation du cartilage. Le cartilage, c'est une petite... ça recouvre nos articulations, c'est une espèce de comme un lubrifiant, si on veut, qui est blanc, assez dur, et qui permet de faire en sorte que les articulations bougent sans friction. Et lorsque on met 5 fois son poids du corps sur son genou pendant toute sa vie, et ben à un moment donné, ce cartilage-là s'effrite. Et là, on va parler plutôt d'arthrose, parce qu'on va dire que c'est une maladie d'origine plus mécanique. L'effet est le même, c'est que la dégradation du cartilage va générer de l'inflammation, mais dans le genou, dans une articulation. Donc on peut avoir les deux. On peut avoir, comme Marie-Hélène, de l'arthrite et de l'arthrose. On peut avoir que de l'arthrose ou on peut avoir que de l'arthrite. Merci, c'est assez clair comme ça. Philippe, maintenant, quand on passe, là, on parle de petits exercices, donc parfois dans le détail, on retrouve des choses, les choses les plus importantes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de la mécanique? Là, je vois un beau genou sur la table. La mécanique du genou, comment ça se passe quand on va te voir peut-être aussi en clinique? Oui, bien, un peu comme pour faire suite aux commentaires de Nicolas entre la différence entre l'arthrite et l'arthrose, c'est que justement, l'arthrite, il n'y a pas de cause mécanique, c'est notre corps qui nous attaque, peu importe qu'est-ce qu'on va faire, notre corps nous attaque, donc il y a de la médication pour ça. Tandis que l'arthrose, elle, il y a une cause. C'est ça qui est important comme message à retenir en tant que clinicien ou en tant que patient. Il y a une raison qui déclenche, puis qui favorise la progression de cette arthrose-là, puis ça, c'est la mécanique. D'ailleurs, il y a une statistique qui dit qu'à peu près un patient sur deux va faire de l'arthrose dans sa vie, l'arthrose du genou. Donc, c'est énorme, mais ça veut aussi dire qu'un patient sur deux n'en fera pas. Donc, il y a quelque chose qui le déclenche. Puis ça, on parle d'un patient sur deux qui a 65 ans et plus. Donc, ça veut dire que ce n'est pas juste qu'on vieillit, « Ah, je suis rendu à 65 ans, mes genoux sont finis. » Il y a un patient sur deux qui a son arthrose est non existante. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est la mécanique. Pour prendre un exemple, une des choses les plus connues, c'est, je ne sais pas si je peux me lever à la caméra, ça ne vous dérange pas? Donc, une des choses les plus connues dans la littérature, c'est si quelqu'un a tendance à avoir les genoux arqués comme ça, bien, je vais enlever mon micro. Une fois qu'on a notre genou arqué, bien, où est la pression? C'est à l'endroit où les deux os sont rapprochés. À l'extérieur, il n'y en aura plus de pression, mais à l'intérieur, il va en avoir beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer? Mais au fil des années, où va être l'arthrose? À l'intérieur. C'est simple comme ça, c'est juste la mécanique. Mais il n'y a pas juste l'alignement, il y a, comme disait Nicolas, il y a les rotations, la façon dont on va absorber notre poids, la façon dont on va se propulser, la façon dont on va se stabiliser, va faire en sorte que, est-ce que notre mécanique va être stressée ou va être bien contrôlée, puis c'est ce qui va faire la différence. Donc, quand on fait l'examen dont on parle depuis tantôt, que presque tout le monde ici a fait, bien, ce qu'on vérifie, c'est est-ce que notre mécanique est bonne ou est-ce qu'il y a certaines choses qui surchargent notre cartilage et notre articulation. Une fois qu'on identifie c'est quoi la cause, bien là, on n'est pas en train de juste gérer les symptômes. « Ah, monsieur, faites un peu de l'exercice, perdez du poids, c'est bien. »
Mais là, on va traiter la cause. Pourquoi vous avez développé de l'arthrose? Pourquoi l'arthrose continue à progresser? Donc là, on peut l'identifier puis avoir une prise sur l'évolution de la pathologie. Donc ça, c'est peut-être un message aussi, c'est qu'on pense souvent que l'arthrose, je vais me rasseoir pour être avec mes collègues, on pense souvent que l'arthrose, bien, c'est une fatalité, on est pris avec, puis on va attendre que ça évolue en essayant le mieux possible de vivre avec. Mais en fait, on peut avoir un impact sur la progression de celle-ci, puis on peut bien vivre avec celle-ci. Merci beaucoup, Philippe. Et si je comprends bien aussi, il y a différents traitements. Il n'y a pas juste non plus, je pense, la physiothérapie après l'examen. Si le corps, justement, si la jambe est désalignée, à quel traitement ou possibilité on peut s'attendre ou on peut compter? Oui, il y a un grand éventail de possibilités. Déjà, pour traiter la mécanique, on parle d'exercices précis. On parle d'orthèse du genou. Donc, par exemple, si je reviens à l'exemple de tantôt, que mon genou est vraiment arqué, il y a des orthèses qui peuvent décharger, donc nous aider à revenir droit. Il y a d'autres orthèses qui, eux, si on a déjà un alignement qui est bon, mais que pendant qu'on marche, on perd le contrôle, il y a une orthèse qui va être plus stabilisatrice, les orthèses du pied aussi. Puis, en général, ce n'est pas nécessaire, même si on suggère des exercices, de faire de nombreux traitements de physiothérapie. Donc, par exemple, le projet de recherche a montré qu'avec un bon enseignement des exercices, les gens peuvent le faire à la maison sans constamment consulter. Puis, ensuite, il y a des choses pour gérer vraiment la douleur elle-même. Donc, au-delà de la mécanique, si on a de la douleur, on peut avoir une injection pour gérer l'inflammation, comme peut-être beaucoup d'entre vous avaient eu des injections de cortisone. Il y a certaines injections aussi qui, pour gérer la douleur à plus long terme, qui ont des injections de hyaluronique qu'on appelle, là, différentes marques qui font ça. Puis ça, c'est pour gérer plutôt la douleur. Mais une chose aussi que peut-être chacun de vous, vous pouvez partir à la maison, là, qui est dans les guides de recherche, pour gérer si vous avez de l'inflammation dans votre genou, c'est de la crème anti-inflammatoire. Hein, de crème Voltaren, Arnica, ce genre de choses-là, là, ça fait vraiment une différence si vous en mettez de façon régulière sur un genou qui a de l'inflammation. Ça ne coûte pas cher, il n'y a pas d'effet secondaire, puis ça gère bien l'inflammation. Avant de passer peut-être aux questions, on a parlé d'injection. Puis on dirait que tout le monde a été adepte de l'injection à la cortisone. Est-ce qu'il y a des... est-ce que ça pourrait ne pas être... une bonne idée, j'oublie le terme, mais est-ce que parfois ça peut empirer les genoux? Est-ce que c'est un mythe de penser que ça peut empirer son arthrose du genou? Il faut mettre ça en perspective. Il y a des études récentes qui montrent que si un patient, qu'on se ferme les yeux puis on lui met de l'injection à tous les 3 mois, sur plusieurs années, il y a une légère perte de cartilage dans le 0.01 mm, là, très peu visible. Mais de façon extrêmement générale, le consensus, c'est qu'une injection de cortisone n'est pas dangereuse, n'a pas d'effet. Mais est-ce que ça peut être ne pas la bonne injection, qu'on injecte la cortisone et ça ne fasse rien? Peut-être qu'il y en a déjà qui en ont déjà eu. C'est parce que l'injection de cortisone, c'est pour l'inflammation. Donc, si vous avez le genou enflé ou le genou qui vous dérange le soir, la nuit, ça, c'est de l'inflammation, il est un peu plus chaud, injection de cortisone va aider. Mais si c'est juste que votre genou est raide, de façon générale, c'est juste de l'arthrose, puis il n'y a pas une période inflammatoire, en général, on va mettre de l'injection de cortisone là-dedans, ça ne va absolument rien faire. Et tu nous mentionnais aussi un autre type d'injection. Tu peux nous... L'acide hyaluronique, peut-être le plus connu au Canada, au Québec, c'est le Saint-Visque. Peut-être qu'il y en a que leur médecin leur a déjà suggéré. Donc ça, dans les guides de pratique, ça semble être bon de façon générale pour traiter les raideurs puis l'arthrose elle-même. Donc pas de l'inflammation, mais vraiment, l'arthrose nous dérange, on va mettre cette injection-là. Ça reste pour l'instant quelque chose qui est prouvé dans la littérature qui va aider, mais jusqu'à quel point est-ce que ça fait une énorme différence? Ça, c'est plus patient par patient. Il y en a qui l'essayent. Si ça fait une grosse différence, bien, ils vont devenir des adeptes pour longtemps. Je pense que toi, Bruni, tu en prends de façon régulière. Puis il y en a d'autres qui l'essayent, puis ça ne font rien. Bien là, en général, on ne suggère pas de le réessayer une deuxième fois si ça n'a pas marché la première. Donc, Bruni, tu as eu cette injection-là, ce type d'injection-là? Une fois par année. Une fois par année, OK. Marie-Hélène? Non. Pas d'injection aucune? Non. OK. Alors, je pense qu'on pourrait ouvrir dans la salle, voir un petit peu. Je pense qu'il va sûrement y avoir plusieurs questions. J'ai ma collègue Kim, qui est où? Kim? Ah, Mireille, derrière.
qui a un micro. Alors, levez la main, ne soyez pas gênés. Par la suite, on ira peut-être sur Facebook Live. Ça se pourrait aussi qu'il y ait des questions. Donc, en avant ici, monsieur. Oui, j'aurais une question. Votre analyse, si elle se fait à la marche, mais les résultats que vous allez trouver, est-ce que ça s'applique si après ça, on fait... OK. Ce que vous avez, les analyses, si sont faites à la marche, donc la biomécanique en marchant, si après ça, on court ou on fait de la musculation, whatever, est-ce que ça va s'appliquer ou c'est vraiment juste corriger les problèmes à la marche? C'est une très bonne question. En fait, il faut voir ça vraiment comme un électrocardiogramme, parce que même marcher sur un tapis roulant, vous conviendrez que ce n'est pas comme marcher dans la rue. Mm-hmm. Donc, c'est un test qui est précis, répétable et qui permet de détecter des déficits mécaniques. Une fois qu'ils sont détectés, évidemment, le fait d'améliorer notre mécanique va aider dans toutes les activités de la vie quotidienne. Okay. Par contre, c'est vrai que si on veut être un coureur performant, je sais qu'il y a toutes sortes de techniques de course très particulières. Là, on ne va pas pouvoir vérifier avec la technologie parce qu'on ne peut pas l'utiliser en courant. On peut l'utiliser à marche rapide, mais on ne peut pas vraiment l'utiliser en courant parce qu'il y a trop de chocs et puis ça va tout vibrer et puis ça ne va plus être précis. Là, je ne peux pas vous dire si, en courant, vous êtes capable de continuer à corriger les facteurs de risque. Mais comme un électrocardiogramme qu'on corrige en prenant des médicaments, etc., en améliorant sa santé cardiovasculaire, si on améliore la santé de son genou, ben, on va être plus à même de courir et de faire d'autres activités, je pense. Merci. Si je peux ajouter, on travaille beaucoup avec des coureurs quand même. L'idée, c'est de rétablir la bonne fonction du genou, la bonne mécanique. Donc, dans la course, les deux choses qui se ressemblent, c'est l'absorption et la propulsion. Deux choses qui sont présentes à la marche aussi. Donc, on regarde comment spécifiquement le genou va absorber l'impact, puis comment va se propulser. Donc, on va corriger ça, parce que si on ne le corrige pas à la marche déjà, à la course, c'est presque impossible de garder le bon contrôle, la bonne technique. Mais si on travaille effectivement avec un coureur, on va travailler en parallèle, comme a dit Nicolas, pour non seulement rétablir la mécanique, mais aussi rétablir le bon rythme, la bonne technique de course. Mais oui, on aide beaucoup de coureurs qui ont ça, c'est ça. Oui, alors j'ai quelques questions, je vais essayer de les dire rapidement. Je viens d'apprendre que je fais aussi de l'arthrite et non seulement de l'arthrose. Je viens tout juste de l'apprendre. Je fais de l'arthrose au genou, excepté que je n'ai pas de douleur autant que probablement M. Surin, et sont occasionnelles. Je pense que je fais plus d'arthrite que d'arthrose, mais j'en fais de l'arthrose puisqu'on m'a dit que j'avais un kiss de Baker. On m'a dit que c'était de l'arthrose. Et le médecin m'avait suggéré le Saint-Vix-1. Il m'avait dit ça peut marcher et ça peut-être pas marcher, ça dépend des personnes. Alors, je l'ai refusé parce qu'il y avait quand même un coût d'environ 400 ou 500 $. Alors, je me suis dit, je ne suis pas riche, mais regarde, je vais quand même trouver l'argent si je savais que ça fonctionnait pour de vrai. Et fait que je ne l'ai pas pris. Maintenant, j'ai une colite ulcéreuse, je prends déjà des anti-inflammatoires, c'est bien compensé par la médication. Alors, je me demande si les anti-inflammatoires que je prends pour, c'est des Heinz, pour ma colite ulcéreuse, je me demande si ça fonctionne aussi pour mon arthrite, parce qu'on parlait d'anti-inflammatoires, fait que c'est des, j'ai comme des drôles de questions, là, mais dans ma tête à moi, ils se rejoignent. Et puis, mon autre question... Et la suivante, c'est que je vais pour des activités dans un centre et je me demandais si c'était possible que vous veniez à cet endroit qui est sur le plateau Mont-Royal pour donner un peu ce genre de conférence ou en tout cas quelque chose du genre parce qu'évidemment, c'est des personnes de 50 ans et plus et je suis certaine qu'ils aimeraient avoir ce genre de conférence. Voilà. Merci. Pour les anti-inflammatoires, presque, je ne sais pas quel médicament vous prenez, mais en général, quand on prend les anti-inflammatoires oraux, ça va agir sur tout le système. Donc, peu importe pour laquelle pathologie vous la prenez, ça va aider tous les autres qui sont inflammés. Donc, oui, ça va aider votre arthrite rhumatoïde, sans aucun doute.
L'autre question, c'était, est-ce qu'on peut venir faire des conférences pour vous, les patients? Bien, il y a toujours un désir de transférer cette connaissance-là. Notre but, c'est d'éduquer puis d'aider. Donc, ça nous ferait plaisir, si vous le voulez. Moi, personnellement, je pourrais me déplacer. Ça me ferait plaisir. Je pourrais vous donner ma carte. Moi aussi, j'ai déjà dit que... Je vous ai déjà donné mes coordonnées. Ouais, donc, oui, alors je vais donner nos coordonnées. Oui, alors, m'a donné ses coordonnées. Alors, on vous appelle et vous serez les bienvenus, bien sûr. Merci beaucoup. Parfait. Donc, une question du Facebook Live. Il y a quelqu'un qui pose sur quels critères est basée l'information qui stipule que l'arthrose du genou n'est pas causée par l'usure, mais par un manque d'activité? Ah, j'avoue que j'ai jamais entendu ça. Peut-être que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les gens qui ont de l'arthrose et qui ont des douleurs se disent « Ouh, il faut que j'arrête de bouger ». Et ça, c'est clairement pas ce qui est recommandé. Donc, une articulation doit bouger pour se régénérer. Mais de savoir que l'arthrose soit une maladie qui soit causée par le fait de ne pas bouger, moi, en tout cas, ce n'est pas une information que j'ai. On peut dire qu'une fois que tu as de l'arthrose, si tu arrêtes de bouger, là, ça peut augmenter tes symptômes. Ça, c'est vrai. Mais ça ne peut pas causer l'arthrose de ne pas bouger, mais ça peut augmenter tes symptômes. Oui, je voudrais poser une question, enfin, plus exactement, une précision. Moi, je suis rentrée dans le projet, mais je ne suis pas très raisonnable. Donc, je ne l'ai pas fait, j'ai pas fait mes exercices comme j'aurais dû. Je pense que si on avait été aidé dès le départ par un physiothérapeute qui nous aurait parfaitement montré les exercices, c'eût été plus facile. Alors, moi, je suis pas. Bon, les physios, ça coûte cher, ça n'est pas remboursé. Moi, ça m'a manqué, en fait. Et en plus, je culpabilise, évidemment, parce que Nicolas est une voisine et une amie. Et chaque fois que je la voyais, je me disais, oh là 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 là, faudrait quand même que tu te bouges. Alors, c'est une suggestion que je fais, à savoir, faudrait nous accompagner au moins une fois avec un physio. Maintenant, s'il y a des physios accessibles gratuitement, bravo. Hein, voilà, parce que moi, j'ai toujours mal à mon genou. Alors, je fais de l'aquaforme. Et l'aquaforme, bon, ça me fait du bien, évidemment, mais je mets une ceinture de flottaison pour éviter de cogner mon genou dans le fond de la piscine. Mais je pense que si en plus je faisais ces exercices convenablement, je pense que je m'améliorerais. Voilà. C'est une très bonne remarque. Je vais en profiter pour demander qui parmi vous a participé au projet Arthrose dans la salle ? Ah, quand même ! Au projet Arthrose, vous avez donc été randomisé dans des groupes différents. Alors, il y a parmi vous peut-être des gens qui ont été dans le groupe contrôle, à qui on n'a pas fait passer la genographie. Et merci à ceux-là aussi, parce que vous avez fait avancer la science. Et il y a eu deux autres groupes. À la base, la technologie se veut être accompagnée par un physio. D'accord ? L'idée de départ était celle-là, c'est de passer le test et d'avoir un enseignement de l'exercice par un physiothérapeute pendant une heure qui vous montre quoi faire. Et donc, on avait un groupe qui était pris en charge de cette manière-là. Maintenant, quand on a présenté le projet au gouvernement et entre autres à l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, ils nous ont dit, oh là là, pour déployer une technologie où il faut un physio à chaque coin de rue, ça ne va pas le faire. Il faut que vous ayez un groupe qui soit que avec la technologie. Donc malheureusement, Daniel, tu faisais partie de ce groupe-là qui n'a pas eu d'éducation. Et les résultats du projet montrent que l'éducation vraiment aide à l'adhérence au traitement à aller mieux, et donc c'est totalement vrai.
Ce qu'on a essayé de faire aussi dans le projet, c'est créer des... On a travaillé avec un artiste qui fait des petits dessins animés pour expliquer aux patients qu'est-ce que c'est que ces fameux facteurs mécaniques et qu'est-ce qui serait à corriger. Donc peut-être déjà ça pourra aider, mais c'est clair que pour moi, en tout cas comme chercheur, je pense que c'est vraiment important pour de trouver un moyen. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'un physio, peut-être qu'il y a besoin d'un vidéo explicatif. Il y a sûrement d'autres façons que d'être obligé de payer une séance de physio quelque part pour comprendre comment faire ces exercices. Mais c'est une très bonne remarque. Bonsoir. J'étais sur le projet Arthrose aussi, mais bon, moi, on m'a juste posé un paquet de questions, mais je n'ai pas pu avoir accès aux exercices et tout ça. Moi, j'ai eu l'arthrose à 32 ans. Ça a été un coup de massue. Mais bon, c'est comme ça, il faut l'accepter. Mais j'avais plusieurs questions. Déjà. Une, c'est je voudrais savoir combien ça peut coûter une genographie. Aussi, les orthèses qui vont être faites sur mesure, dépendamment de l'axe de mon genou, est-ce qu'elles sont encombrantes? Est-ce que ça glisse quand on sue? Est-ce que c'est quelque chose qui gêne? Est-ce que les exercices sont en fonction du résultat de la genographie ou c'est des exercices qui sont un peu pour tout le monde? Donc ça, je ne sais pas. Ah, vous m'entendez mieux, là? Okay. Et puis, donc ça, c'est ça, les exercices. Est-ce qu'ils sont généraux? Est-ce qu'ils sont selon ma génographie? Quel est le coût d'une génographie? Où est-ce que je peux aller faire une génographie? Puis aussi, une question que j'ai, c'est un désir que j'ai depuis longtemps, vu que j'ai eu l'arthrose à 32 ans. Là, je vis avec depuis 9 ans. Est-ce que les cellules souches pourraient reconstituer mon cartilage? Et est-ce que je pourrais récupérer ma vie d'avant? Beaucoup de questions. Pour les orthèses, pour commencer, ça dépend des orthèses. Il y en a, ça dépend qu'est-ce que tu vas avoir besoin. Donc, il y en a, c'est vrai, qui sont assez encombrantes. Il y en a d'autres qui sont très minces et qui se portent sous le pantalon. Évidemment, on a des critères. C'est vraiment des critères mécaniques en général, les diagnostics qui vont nous aider à choisir lequel des deux. Puis après, c'est de voir avec un orthésiste, c'est quoi l'éventail qui répondrait à ce critère-là. Idéalement, on choisit des orthèses qui sont le plus minimaliste possible pour que ça puisse se porter et que ça ne soit pas encombrant. Après, il y a aussi différents niveaux de qualité dépendant. Il y en a qui sont faits avec des matériaux qui respirent plus, donc ça dépend aussi. Là, c'est des frais puis des choix à faire personnellement. Là. Mais ce n'est pas automatique qu'on a besoin d'une orthèse à chaque fois qu'on fait de l'arthrose non plus. Ce n'est pas le cas. Le coût de la genographie aujourd'hui dans le système privé, ça tourne autour de... $185 pour un genou. $185 pour un genou. $260 pour deux genoux, si on fait en clinique comme ça. Et pour répondre à votre question, les exercices qui sont recommandés sont vraiment basés sur le test. C'est ça la nouveauté, d'accord? Parce que si vous allez voir un physio, il va vous donner des exercices. Mais il ne pourra pas voir à l'œil nu... les petites déviations mécaniques. Et c'est ça qu'on essaye de corriger avec des exercices qui ciblent ces déviations. Puis votre dernière question sur les cellules souches, c'est une bonne question. Et pour l'instant, la recherche n'est pas encore avancée pour pouvoir... Moi, j'imagine que dans 20 ans, il y aura une solution. Mais d'ici là, je crois vraiment que la solution, c'est pas mal celle-là. C'est de faire des exercices ciblés. Non. C'est impossible à prévoir, mais je... Alors d'abord, il y a le dernier recours, quand on ne peut plus endurer la douleur, c'est la prothèse de genou, qui est une opération qui fonctionne quand même relativement bien, surtout si on est actif avant et qu'on fait des exercices, etc. C'est quand même assez magique en termes de douleur. Et puis, je pense qu'on peut espérer retarder l'évolution de la maladie en ayant une bonne démarche. Mais de là à dire quand est-ce que ça sera plus possible, je pense que ça dépend de chaque patient aussi. Puis peut-être une chose qu'on peut ajouter, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre la sévérité de l'arthrose et la douleur. Donc, c'est possible qu'en ce moment, tu as beaucoup de douleur et tu as l'impression que tu ne marches plus et que ton genou est fini, mais que ton arthrose est très légère encore. Tandis que d'autres, ils ont beaucoup d'arthrose puis ils ont peu de douleur. Donc ça aussi, ça joue beaucoup dans la mécanique.
Bonjour, j'aimerais savoir si vous pensez ouvrir une clinique du genou au CHUM, et si oui, quand, pour pouvoir avoir accès à ces techniques-là. Alors, actuellement, la genographie se veut plutôt en première ligne. Quand on parle d'arthrose, on ne parle pas de soins tertiaires dans un hôpital universitaire nécessairement. Par contre, quand on parle justement de prothèse de genou, essayer de mieux planifier la prothèse, trouver la meilleure prothèse pour le meilleur patient, oui, on a des projets de recherche qui sont tout à fait en train de se s'idéer. En ce moment, on essaye de réfléchir à la suite. Mais moi, je crois que ce n'est pas nécessaire d'aller au CHUM pour ça. C'est-à-dire qu'en première ligne, quand votre médecin vous dit vous commencez à faire de l'arthrose, il y a des solutions. Moi, je travaille fort aujourd'hui pour qu'un jour ce soit remboursé. Je ne sais pas quand ça sera le cas, mais il faut convaincre le gouvernement que ça fait du bien et que ça ne rajoute pas des coûts inconsidérés au système de santé. Donc, pour l'instant, c'est la seule solution. On a un projet d'implantation à l'hôpital Charlemagne et à l'hôpital Jean Talon, mais qui s'adresse uniquement pour les patients de ces hôpitaux-là. On va prendre une dernière question sur le Facebook Live, puis après ça, il y a encore plein de mains levées. Donc, on reviendra pour les questions juste après. Donc, très, très rapidement, deux questions sur le Facebook Live. La première, existe-t-il des vidéos sur le web, des bonnes vidéos qui démontrent les exercices à faire? Et la deuxième, existe-t-il des traitements de régénération du cartilage? Alors, pour les exercices, comme on explique ici, il faut qu'ils soient spécifiques. Donc non, il n'y a pas vraiment... Il faut avoir passé le test pour savoir quels exercices passer. Par contre, comme je mentionnais tout à l'heure, on est en train de développer du matériel de soutien pour les patients qui savent quels sont les exercices. Donc on va leur donner un nom d'exercice. Mais pour ça, il faut qu'ils aient le diagnostic. Donc il n'y a pas de site web comme tel disponible. Oui, c'est ça. Ça dépend de quel exercice la personne parle. Je veux dire, si on veut en général rester en forme puis on veut faire un bon squat, il faut faire très attention aux exercices qu'on choisit sur les plateformes. Si la personne trouve une plateforme qui est sérieuse puis veut bien faire un squat, c'est bon. Mais si elle veut cibler les facteurs de risque de progression de l'arthrose, ça n'existe pas parce qu'on ne sait pas c'est quoi ces facteurs de risque à elle. D'expérience personnelle, on peut faire bien des recherches sur Internet. On va trouver des vidéos sur à peu près n'importe quel type d'exercice. Comme Nicolas le disait, spécifiquement pour l'arthrose du genou, la genographie, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit, bon, c'est tel type d'exercice. Mais règle générale, il vaut mieux, je pense, aller voir un médecin, aller voir un physiothérapeute. Dans la clinique où j'ai participé, moi, dans le programme, je recevais à tous les mois, après chaque rencontre, la liste des exercices nouveaux que je devais faire et il y avait des vidéos qui accompagnaient. Alors, bon, j'ai été, moi, une des chanceuses qui a pu avoir ça, mais je pense que ça pourrait devenir pratique courante. Puis d'ailleurs, règle générale aussi, les physiothérapeutes, quand on va les voir, même si on a un rendez-vous ou deux, ils vous réfèrent, ils vous envoient des vidéos. Mais aller d'abord s'auto-diagnostiquer, puis s'auto-médicamenter ou s'auto-exerciser, moi, je ne le conseillerais pas. Ça va nous faire plus de mal que d'autres choses. Et ça, je parle en connaissance de cause parce que je m'étais inscrite à un gym, puis j'avais dit, bon, regarde, moi, j'ai de l'arthrose du genou, je fais ci, je fais ça. J'avais plein d'exercices à faire au gym, et ces exercices-là, j'ai su après, quand j'ai été suivie, qu'il y avait des exercices que j'aurais jamais dû faire puis qui n'étaient vraiment pas bons pour moi. Bien, ça m'amène justement à parler justement de la prise en charge. Comme patient, on a aussi cette responsabilité de dire, bon, mais qu'est-ce qui s'offre à moi? Est-ce qu'il n'y aurait pas des techniques qui pourraient m'aider? Puis justement, on a cette information-là. Aujourd'hui, on est chanceux de pouvoir aller fouiller un peu sur différents thèmes puis trouver des trucs, des astuces pour se remettre en forme. Je voulais vous entendre justement parler là-dessus. Marie-Hélène, tu m'as devancé. Mais Bruni, sinon, je pense que tu m'en parlais un petit peu tantôt aussi, mais les alternatives que tu avais trouvées...
Parce que tu as quand même, pendant un certain temps, tu n'as pas fait les exercices qui étaient suggérés, mais tu as fait d'autres choses. Tu n'es pas resté. Tu es une personne active, donc tu as continué quand même à. Oui, j'ai toujours continué à m'entraîner, mais c'est ça qu'on dit, c'est qu'il faut que ça soit vraiment, vraiment spécifique. Moi, les exercices que j'avais, c'était vraiment spécifique à mon cas, à moi. Donc, dans mon cas, moi, j'avais le côté de ma bandelette qui était très tendue. J'avais une faiblesse au niveau du quad, si je me rappelle bien. Donc, c'est cet exercice-là, après, que j'allais faire vraiment spécifique. Mais si je n'avais pas ces indices-là, j'aurais fait des entraînements généraux, mais qui n'auraient pas été spécifiques pour l'amélioration de mon corps. Mm-hmm. Puis c'est un investissement aussi que je disais, écoute, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui a les moyens aussi. Donc aujourd'hui, je prends un entraîneur privé une fois par semaine, j'ai un suivi, mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. Donc c'est sûr qu'il faudrait qu'on travaille pour avoir cet accompagnement-là. C'est sûr et certain. J'entendais dans la salle tantôt une dame qui disait que, je pense que c'est madame ici là, qui était tombée dans le groupe contrôle d'une étude randomisée. Ça, c'est plate. Ça, c'est vraiment plate. Un si beau projet puis tomber dans le groupe contrôle. Mais il reste que habituellement quand je tombais dans des groupes contrôle aussi comme ça, j'avais toutes les ressources aussi qui venaient avec là, malgré tout. Ben, en fait, je pense qu'il faut vraiment souligner que c'est parce qu'on a des patients d'un groupe contrôle qu'on peut aujourd'hui affirmer un certain nombre de choses sur l'utilité de la génographie. Et il y a d'autres choses aussi, comme ce que Philippe disait sur l'absence de lien entre la sévérité de la maladie et la douleur. C'est des choses qui apparaissaient comme ça régulièrement dans les articles, mais là, on a des valeurs sur 900 patients. Et c'est grâce à vous. Donc je tire mon chapeau à ceux qui ont continué à répondre à ces milliers de questions qu'on vous a posées. C'est extrêmement précieux et c'est grâce à vous aussi que la science va avancer. Oui, tout à fait. C'est le principe de la science de pouvoir être capable de contrôler deux différents exercices, si on veut. Est-ce qu'on pourrait penser à une génographie, mais qui soit pour un autre membre du corps, un coude, ou la main, ou la hanche, en fait, la hanche pourrait être une bonne... Est-ce que quelque chose comme ça pourrait être envisageable? 20 ans de recherche? le genou est intéressant parce qu'il se situe entre la cheville et la hanche. Donc, il est un peu le reflet de vraiment une démarche aussi plus générale. Mais c'est sûr que oui, ça serait. Moi, c'est mon dada de recherche. C'est d'essayer de trouver une façon de mesurer la fonction articulaire et d'évaluer pourquoi les gens ont mal autrement que juste par une radiographie qui dit ah, bah, vous avez tel ou tel tendon déchiré ou telle articulation détruite. Comme disait Philippe, il y a des gens qui ont des articulations dans un très mauvais état et qui souffrent assez peu, et inversement, c'est le cas aussi. Donc, prochaine main de science. C'est ça. OK. On se revoit dans 20 ans. Philippe, tu avais quelque chose à ajouter, peut-être? Je vois qu'il y a d'autres questions, mais je voulais juste dire que qu'est-ce qui est particulier avec le genou, c'est que, contrairement à beaucoup d'articulations, c'est que c'est complexe mécaniquement à traiter. Tandis que les autres articulations, souvent, on comprend le problème. On ne peut pas toujours aider autant qu'on voudrait, mais on a une assez bonne idée de quoi faire pour le régler. Tandis que la mécanique du genou, le problème, c'est que c'est deux surfaces qui sont relativement plates. Comparativement, par exemple, à la cheville qui est très stable ou la hanche qui est une boule prise dans un cercle. Ça, c'est deux surfaces plates qu'on leur demande de plier, déplier et rester stable dans toutes sortes de complexités. Donc, il y avait vraiment un besoin de mieux comprendre qui est peut-être un peu moins présent, disons, aux autres articulations. Parfait. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a énormément de questions, donc je pense qu'on va continuer avec les questions en salle. Il y a madame... Il y a un micro qui va... Où est le micro? Moi, j'ai trois questions. Si on fait la géographie, est-ce qu'à partir de ce diagnostic, premièrement, est-ce qu'automatiquement on a des exercices personnalisés ou il faut après aller voir un physio pour avoir des exercices? Deuxièmement, est-ce que si on fait la géographie, ils sont capables de nous dire si la cortisone va nous aider, si tous les autres systèmes peuvent nous aider? Est-ce que ça fait aussi partie du diagnostic? L'autre élément, c'est à quel moment est-ce qu'on peut considérer, parce que moi j'ai une amie, on était toutes les deux dans le groupe contrôle, elle a fini par aller, elle a fait une chirurgie,
À quel moment est-ce qu'on dit, ben, de toute façon, c'est, la chirurgie est recommandée avant que ça soit trop tard, et que, parce que la chirurgie, c'est quand même pas facile. Alors attendez, vous allez pouvoir compléter, sinon je vais oublier toutes vos questions. Donc votre première question, c'est est-ce qu'on a automatiquement des exercices actuellement dans le système privé? Oui. Vous allez dans une clinique du genou à travers la province et vous allez avoir normalement les conseils et l'explication des exercices avec un physio qui va vous expliquer. Ça fait partie du coût. L'examen, c'est 185 $. Évidemment, quand vous voyez le physiothérapeute puis qu'il veut vous prendre une heure avec vous pour vous les expliquer, ce temps-là aussi, il va falloir le payer. Donc, 80 $. La prise en charge, mettons, dont on parle ici, de faire la génographie puis avoir les résultats, avoir un enseignement, ça tourne à peu près 200 à 300 $ si on fait les deux genoux, mettons. Ça veut comprendre les exercices. Est-ce que dans le diagnostic, on va pouvoir me dire si la cortisone serait bonne? Pour l'instant, non. On ne peut pas. On a beaucoup de données pour essayer d'explorer cet aspect-là, mais on n'est pas encore en mesure de dire si telle ou telle injection va être utile pour un patient donné. C'est à explorer encore à travers nos données. Parce que de toute façon, la cortisone, la question, c'est surtout, avez-vous de l'inflammation ou pas? Ouais. C'est ça la question. C'est peu importe votre mécanique, si hier vous avez fait trop puis vous avez fait de l'inflammation, ben une injection de cortisone peut vous aider, peu importe les résultats de la génographie. Mais pour celui qui traite les raideurs? Ben c'est là où c'est plus difficile à savoir si ça peut marcher ou pas. Puis c'est un peu la même chose avec la question pour quand est-ce que je dois me faire opérer? Ça se fait toujours de concert avec un médecin, un orthopédiste et le patient qui doit évaluer en quelle mesure il peut plus fonctionner comme ça et qu'il a besoin d'avoir une opération. Donc c'est pas un jugement, je dirais, complètement objectif. Il y a forcément le ressenti du patient qui intervient et l'orthopédiste qui va donner son avis sur les chances de réussite, etc. Donc c'est très multifactoriel. Et ma dernière question, c'est, j'ai deux filles qui ont été toutes les deux opérées au genou. Une après un coup au soccer et une, c'est un déboîtement du genou. Est-ce que vous recommandez qu'après ça, elles fassent une genographie pour évaluer si la mécanique est bien replacée et s'il y aurait besoin de faire... Oui, dès qu'on a un accident grave au genou, c'est-à-dire une déchirure ligamentaire ou une déchirure méniscale, quelque chose comme ça, la science prouve qu'on a déclenché l'arthrose. Il y a des bonnes chances, en tout cas, qu'on se ramasse avec l'arthrose. À quel niveau, à quelle rapidité, bon, il y a des variantes. Mais oui, dès maintenant, ça peut évaluer au moins les facteurs de risque modifiables, puis les corriger. On peut en profiter dès maintenant, c'est sûr. Bonsoir. Je suis vraiment contente de pouvoir assister à une session comme celle-ci. Moi, j'étais une des chanceuses qui a eu droit à la genographie. Et je me demandais, une fois qu'on a eu la genographie, est-ce qu'on doit la refaire à un certain moment donné pour voir l'évolution, puis voir où on en est, puis est-ce que ces exercices-là qui nous avaient été suggérés au début ont changé parce que soit qu'on a certaines améliorations ou certaines dégénérations qui ont continué. Donc, est-ce qu'on devrait le refaire après un certain temps? Puis j'ai une deuxième question. Moi, mes nuits sont horribles depuis quelques années et je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour qu'on puisse dormir la nuit? Parce que moi, je vous dirais que c'est ce qui me dérange le plus de l'arthrose. Est-ce qu'on devrait refaire la génographie? Si la génographie était gratuite et qu'on pouvait tous la refaire quand on voudrait, bien, on la ferait régulièrement, ça c'est sûr. On la ferait de façon préventive puis on la ferait de façon suivie parce qu'on parle de facteurs de risque modifiables. Donc, les facteurs de risque, on veut, c'est comme une prise de sang, regarder le niveau de cholestérol. Donc, on veut le corriger, on veut le prévenir puis on veut le faire. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à le refaire? Ça c'est sûr. Beaucoup de patients ne le refont pas. Madame Mété, je ne sais pas si vous l'avez refaite. Ben non, mais c'est non. Beaucoup de patients vont bien, vont mieux, ont leur exercice, donc vont travailler sur la mécanique qu'on a déjà identifiée. Puis jusqu'à quel point on doit investir pour la refaire, on ne peut pas répondre à cette question-là. Mais est-ce que c'est positif, ça va apporter quelque chose à refaire? Fort probablement, parce qu'on parle d'évaluer les facteurs de risque.
Avec Bruni, on l'avait refait plusieurs fois. Avec le temps, on voyait que ça se détériorait. Donc, évidemment, on voulait reprendre la situation en main quand on voyait ça. L'autre question, c'était, qu'est-ce qu'on peut faire pour dormir la nuit? Est-ce que ça vous élance la nuit? Est-ce que ça brûle? OK. Donc, la réponse, c'est oui, ça brûle, puis ça élance, puis ça dérange. En général, je ne vous ai pas examiné, mais ça, c'est des signes et symptômes d'inflammation. Donc, il y a quelque chose qui garde votre inflammation présente. Donc, la réponse, c'est d'enlever l'inflammation. Pour faire ça, bien évidemment, tout ce qu'on a parlé, changer la mécanique, vous aider à enlever le stress dans votre genou va aider à diminuer l'inflammation. Ensuite, il y a tout ce qu'on peut faire pour enlever l'inflammation. Donc, on parlait d'injection, on parlait de mettre de la crème anti-inflammatoire, puis mettre de la glace. Ça, ça doit être votre ami jusqu'à ce que vous vous débarrassiez de l'inflammation. Mais aussi, enlever la cause de l'inflammation. Donc, continuer à travailler sur peut-être qu'est-ce qu'on vous a donné pour changer qu'est-ce qui fait que ça revient toujours. Si je peux ajouter, Philippe, tantôt tu mentionnais qu'avec Bruni, à toutes les fois que vous refaisiez la genoucographie, ça s'empirait à la situation. C'est dû à quoi? Parce qu'il allait, simplement à cause de ça. Il allait toujours c'est au gym. C'est pas à cause de trop de sprint. Non. Il avait arrêté de sprinter. Il allait toujours au gym, mais il ne faisait pas les exercices recommandés. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on a refait le test la dernière fois, il avait fait ses exercices. Puis il est revenu à la même mécanique qu'en 2014. Donc, 5 ans plus tard, grâce à 6 mois d'exercice à peu près, il a pu corriger tous ses facteurs de risque. Donc, la bonne nouvelle, c'est que oui, notre genou peut développer des facteurs de risque, peut s'empirer avec le temps, mais il peut revenir dans une bonne mécanique puis enlever les stress négatifs. Merci. Paralympique, non? À ceux d'hiver, peut-être. Madame, ici. Moi, si je vais voir mon médecin, est-ce que c'est lui qui va me prescrire d'aller passer une genoucographie? Alors, aujourd'hui, comme la genoucographie n'est disponible que dans le système privé, vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin pour qu'il vous la prescrive. Par contre, je vous recommande très fortement d'aller d'abord voir votre médecin pour savoir qu'est-ce que vous avez. C'est-à-dire avoir un vrai diagnostic, discuter avec lui des solutions. Je l'ai. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien aller passer la genoucographie, mais c'est à vos frais. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, c'est dans le système privé. OK. J'ai une autre question. Tantôt, vous disiez de mettre de la glace. Moi, c'est drôle, j'ai de la chaleur, ça me fait du bien. Oui, donc c'est une bonne précision. Pour tous ceux qui souffrent d'arthrose et qui ont de la raideur, c'est la chaleur, ça c'est sûr et certain, 100%. Quand on a des périodes inflammatoires, comme la patiente là-bas, on a des périodes où on a de la misère à dormir la nuit, notre genou est plus chaud puis est enflé, ça c'est de la glace. Pour cette crise inflammatoire-là, après on revient à la chaleur. OK, merci. Est-ce qu'on aurait une question sur Facebook? Oui, donc nous avons quelqu'un ici qui pose la question, y a-t-il des sports à éviter ou au contraire à privilégier quand on a de l'arthrose du genou? Oui, c'est ça. Bruni répond, pas d'impact. Bien, la réponse de la littérature, c'est essayer d'éviter tout ce qui peut nous mettre à risque de se blesser. Donc, par exemple, faire du ski de bosse ou faire du basketball, faire du tennis, c'est des choses qui demandent du pivot. Donc, on a des risques de se blesser. Une fois qu'on a de l'arthrose, si évidemment on commence à courir, il y a des forts impacts. Puis si notre genou est vraiment pas prêt à ça, pas la bonne musculature, pas la bonne mécanique, c'est pas l'idéal. Donc, de façon générale, même si certains peuvent le refaire, on dit le moins d'impact possible. Donc, ça nous laisse tous les sports sans impact. En général, les patients vont bien tolérer de patiner, vont bien tolérer de faire de la raquette, du ski de fond, de la marche, du vélo. L'aquaforme aussi. L'aquaforme. Donc, je pense que toi, tu fais du sprint en piscine, de la course en piscine. Donc, ça, c'est sûr, c'est l'idéal. Mais il y a des patients quand même qui retournent à un certain niveau d'impact, mais ça dépend vraiment, il faut qu'on ait une bonne mécanique, une bonne musculature, puis une bonne préparation. Il y a aussi beaucoup d'études qui démontrent que les activités sociales, genre danse sociale, sont extrêmement utiles aussi. Parce qu'il faut savoir que l'arthrose, ça, quand on a de la douleur, on est aussi plus déprimé. Je ne sais plus qui disait que la douleur, c'est Marie-Hélène, tu disais, ça se passe aussi entre les deux oreilles. Donc, rester actif,
Ça ne veut pas forcément dire aller au gym toutes les semaines non plus. Je pense que c'est, je pense qu'il y a aussi d'autres moyens de pouvoir bouger puis être ensemble avec d'autres gens. C'est, ouais, c'est bien éviter, important. Éviter la Zumba, si possible. Il y en a beaucoup qui aiment le pickleball s'ils faisaient du tennis avant. Puis, dans les recommandations, deux types d'exercices qui ont été étudiés, trois types, l'aquaforme qu'on a dit dans l'eau, le tai chi puis le yoga, sont trois choses qui semblent vraiment aider pour l'arthrose. Moi, je dirais aussi que, comme arthrosée et patiente, et puis faire les exercices, il ne faut pas non plus s'imposer de faire les exercices tous les jours, aller au gym 3-4 fois par semaine, parce qu'on souffre vite d'une écœurantite. Ça aussi, c'est très souffrant. Donc, il faut vraiment se mettre dans l'esprit que, oui, j'ai des exercices à faire si je veux avoir moins mal, si je ne veux plus avoir mal, il faut que je me tienne en forme, mais il faut aussi que je vive puis que j'y trouve des agréments. Il faut que ça soit agréable, il ne faut pas que ça soit imposé. Puis quand on coupe les exercices en deux, on en fait un peu le matin, un peu en fin d'après-midi, on en fait avec son chum, même s'il n'y a pas d'arthrose du genou, la prévention, c'est excellent. Mais il ne faut pas s'imposer des choses, il faut qu'il y ait un minimum de plaisir, sinon on lâche tout. On avait une autre question ici, un petit peu au fond. Oui, bonsoir. Je veux d'abord remercier le comité organisateur de cette rencontre. J'aurais aimé savoir plus tôt que votre genougraphie existait, parce que ça fait longtemps que je fréquente les centres de physiothérapie, on ne m'a jamais parlé de ça. Et donc, ma question, c'est quel est le lien entre votre projet et les centres de physiothérapie, les physiatres, les orthopédistes et aussi les physiothérapeutes, à part vous, monsieur, là, qui êtes au centre du projet? J'arrive pas à comprendre, finalement, qu'on m'a jamais parlé de ça. Oui, vous avez raison. En fait, le projet et la technologie a été développée exactement à cause de ça, parce qu'en première ligne, on n'a pas d'outils pour aider des gens à prendre en charge leur arthrose. Ce qu'on a, c'est une radiographie, c'est statique, on est debout, on ne bouge pas. Ça donne un diagnostic. Oui, j'ai de l'arthrose ou j'en ai pas, j'en ai beaucoup, mais ça ne donne pas plus d'informations. Le physiatre, c'est quelqu'un qui va plutôt prendre en charge les maladies inflammatoires, donc il ne va pas tellement s'intéresser au mouvement. L'orthopédiste, il est là pour opérer, donc il ne va pas non plus vouloir vous parler de vos muscles et tout ça, il va dire oui, non, vous êtes à opérer, mais il ne va pas nécessairement prendre du temps pour expliquer qu'il faut faire des exercices. Donc il reste des physios qui sont très très utiles, mais qui n'avaient pas accès non plus à cette technologie qui vient mesurer des choses précises qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et on a un devoir aujourd'hui aussi de démocratiser, d'informer, de convaincre les gens que cette technologie, c'est une technologie de rupture, hein. Il n'existe rien en comparaison. Comme je vous disais, depuis 2011, la première clinique seulement. Donc ça fait même pas 10 ans que ça existe. Alors on travaille fort là-dessus. Puis il faut démontrer à travers des grandes études comme ça que c'est une technologie qui apporte quelque chose qui n'était pas garanti à partir du moment où les gens payaient pour aller passer le test parce qu'ils étaient au courant et qu'ils étaient motivés. Ça ne veut pas dire que ça peut fonctionner de façon plus générale. Donc, c'est un peu le problème. C'est qu'on est dans un cercle vicieux et qu'on n'a pas forcément des gens qui savent quelles sont les avenues possibles et puis que c'est un peu du essai-erreur. Mais il y a un grand travail avec le projet de recherche de transfert de connaissances pour les médecins, les orthopédistes et les physiothérapeutes. Puis, entre autres, plusieurs physiothérapeutes, même s'ils avaient entendu parler, ils attendaient, est-ce que la science va le confirmer? Donc, grâce à plusieurs d'entre vous qui êtes des patients ici, puis que ça a confirmé à quel point ça faisait un changement, puis que la physiothérapie devait être impliquée pour faire un changement encore plus grand, bien, cette année,
on est passé de justement un à deux centres au Québec à une quinzaine de centres de physiothérapie qui ont décidé de se former, de dire nous on veut l'offrir, on veut faire partie de la partie. Donc c'est en train de se faire en partie grâce à vous qui avez pu confirmer qu'est-ce qu'ils faisaient au centre du genou qui pouvait se faire à grande échelle. Oui, oui, n'importe quel centre de physiothérapie qui veut se former peut se former. Lorsqu'on a publié l'article scientifique sur l'étude à laquelle plusieurs d'entre vous ont participé, on a eu beaucoup d'appels de patients, pas juste nous, mais les cliniques, les hôpitaux, les gens appelaient et puis disaient « mais où je peux trouver ça ?» parce que c'est passé à plusieurs, sur plusieurs émissions, TVA, etc. Donc, il y a un vrai besoin, les gens en parlent. Et là, je commence à recevoir des appels de médecins qui me disent « Ouais, ben là, j'ai un patient qui m'en a parlé, puis c'est quoi votre affaire ? Puis pouvez-vous envoyer votre article ?» Donc, voilà, c'est comme ça que petit à petit, les gens vont savoir. Et puis, comme dit Philippe, on est en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Et ils sont en train d'adapter leur formation sur l'arthrose pour y intégrer l'information sur l'existence de cette technologie parmi toutes les autres solutions existantes. Donc, on va espérer que la bonne parole se Mais propage. Sinon, en ce moment, si vous cherchez un centre qui l'offre, il y a un site qui existe qui s'appelle genographie.ca. Puis, c'est toujours à jour, tous les centres de physiothérapie ou de cliniques sportives qui l'offrent, c'est là. Donc, si jamais vous avez besoin, au moins l'information est disponible. Merci beaucoup, Philippe. Je sais que tu dois malheureusement nous quitter, donc on va finir notre entretien sans notre physiothérapeute. Je demanderai de l'applaudir, s'il vous plaît, là, à votre table. Philippe, on se voit demain matin à ta clinique. je pense qu'on a encore beaucoup de questions, monsieur. Un premier commentaire, je vois qu'on nous propose de l'arnica comme onguent possible si on a de la douleur. Je trouve ça intéressant dans le débat sur l'homéopathie actuellement. On nous propose ça parce que, effectivement, ça peut être fort intéressant. En ce qui me concerne, moi, j'ai participé au programme de gym liquide avec les kinésiologues de l'Université du Québec à Montréal. Et je dois vous dire que ça a été, ça fait 2 ans que je participe à ces activités-là. Et c'est extrêmement bénéfique pour mon genou. J'ai amélioré beaucoup. J'ai réappris à marcher et la douleur est beaucoup moins fréquente et beaucoup moins intense qu'elle l'était il y a 2 ans. Alors, c'est aussi, je pense, un programme fort intéressant pour ceux qui peuvent y avoir accès. Et si c'est à proximité, je pense que c'est fort intéressant. Est-ce que vous pouvez répéter le nom du programme? C'est l'équipe de kinésiologues de l'Université du Québec à Montréal et ça s'appelle le gym liquide. Alors, tous les exercices se font dans l'eau, que ce soit la trampoline, que ce soit le vélo, la course avec la ceinture de flottaison. Vous avez une panoplie d'exercices et s'il y a un exercice, puis je suis aucunement actionnaire là-dedans. J'en suis juste le bénéficiaire. Alors, s'il y a un exercice qui n'est pas approprié ou qui entraîne un malaise ou une douleur, le kinésiologue va vous suggérer d'autres alternatives. Et je vous avoue que c'est fort intéressant. Effectivement, l'équipe de kinésiologie à l'UQAM est très proactive et il existe plein de programmes, effectivement, qui, d'ailleurs, il y a d'autres études qui démontrent qu'il y a des programmes de prise en charge chez le physio relativement structurés qui s'étalent sur 12 semaines avec plusieurs visites par semaine et qui fonctionnent très bien aussi. Donc, la genographie, c'est pas magique. C'est simplement un outil qui permet d'identifier les facteurs et donc de cibler quels sont les exercices à faire. Mais comme je disais tout à l'heure, bouger dans l'eau, c'est clairement, c'est clairement bénéfique pour cette maladie. Et j'ai cru comprendre également qu'il y a une équipe d'orthopédistes ou multidisciplinaires qui songent à implanter ce programme-là sur la rive sud. Voilà. Merci. Ça reste comme dans beaucoup de choses, hein, le fait d'être
ben, en équilibre aussi. Il y a beaucoup de cliniques du genou, c'est en équilibre, mais l'équilibre dans à peu près tout, je pense, nous aide à maintenir une bonne forme physique, que ce soit pour les genoux ou pour autre chose. Madame, devant. Moi, j'ai un... Est-ce qu'on m'entend? Oui. Moi, j'ai un mal qu'on ne nomme pas. Je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai mal de façon intermittente au genou. Et puis, je me dis, tantôt, on parlait que pour avoir l'examen là, de la genographie, il fallait que ce soit... Si on ne sait pas ce qu'on a, mais on a mal, est-ce qu'on peut avoir le test? Tout à fait. Moi, je dis toujours, c'est mieux d'avoir un diagnostic parce que c'est important, je pense, de, en tout cas, éliminer des causes qui sont très différentes aussi. Parce qu'il y a de l'arthrose, mais il y a toutes sortes d'autres choses qu'on peut découvrir dans un genou. Donc, c'est important d'avoir eu une imagerie, puis de s'assurer que, je sais pas, il n'y a pas de blocage mécanique ou qu'il n'y a pas de déchirure majeure, etc. Mais si tout ça a été éliminé, rien ne nous empêche de passer le test et de voir ce qui se passe au niveau du mouvement du genou. Ça veut dire que si j'ai déjà eu une radiographie puis une IRM, j'apporte ces documents-là exactement. Au laboratoire ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ouais. Dans une clinique du genou près de chez vous. Alors, si j'ai bien compris, si je veux avoir cette genographie, premièrement, je vais sur le site genographie.ca. Premièrement, vous allez voir votre médecin. Je vais vous dire, j'ai vu mon médecin. D'accord. Non, je veux juste insister vraiment sur ce point. Je lui ai parlé de la genographie que j'avais vue aux nouvelles. D'accord. Il ne savait pas ce que c'était. Tout à fait. Bon, alors je me suis dit, là, je vais poser la question, comment sont informés les médecins? Parce que c'est quelque chose de nouveau, je suppose. Ben, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on participe avec la fédération à mettre à jour leur formation. La fédération va publier un article dans le Médecin du Québec, qui est leur organe de diffusion, pour informer leurs membres que ça existe et qu'il y a une étude clinique qui a été faite au Québec là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le plan de transfert des connaissances. Et ça dure un certain temps jusqu'à ce que les gens commencent à entendre parler d'une nouvelle technologie. On a la même chose avec d'autres types de traitements où y a quelque chose qui apparaît, puis petit à petit, ça percole à travers les utilisateurs. Et pour savoir après, l'idée, c'est que si on passe une genographie et que le médecin l'a recommandé, les conclusions qui sont issues du test vont être renvoyées au médecin traitant. Donc, ils devraient être au courant et avoir pris connaissance de ce qu'on vous a proposé de faire. Oui, parce que quand même, ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a plus de douleur, puis il n'y a plus de médicaments à prendre. Non. Mais si on suit bien les recommandations... Oui, puis ce n'est pas tout le monde non plus. Nous avons ici deux patients modèles pour qui ça a été particulièrement impressionnant comme résultat. Mais Marie-Hélène disait bien qu'elle a encore un peu de douleur, mais c'est juste qu'elle peut vivre avec. Donc je pense qu'il faut quand même modérer un tout petit peu. Si on fait ces exercices, qu'on se conforme, puis qu'on apprend à revivre avec son genou, il y a beaucoup d'améliorations possibles. Mais de là à dire qu'il n'y a plus de douleur, plus de médicaments, plus rien, c'est pas ce que l'étude a montré. Faut relativiser. Oui. Mais mon autre question était le centre EPIC. Le centre EPIC qui fait quand même beaucoup de recherches, puis ont quand même une bonne fondation. Et puis c'est un endroit que j'ai fréquenté beaucoup et que je ne fréquente pas de ce temps-là parce que j'ai peur. L'hiver, je ne veux pas le fréquenter parce que j'ai peur de tomber sur la glace et je ne veux pas empirer ce que j'ai déjà. Alors, je fais du tai chi, je fais de la marche comme je peux. Mais en même temps, je ne comprends pas que le centre EPIC n'ait pas été nommé. Est-ce qu'ils en ont parlé? C'est quand même un centre important où il y a justement des kinésiologues, il y a des médecins sur place et c'est eux qui m'ont déjà... dit que peut-être du Saint-Vix One me ferait du bien. Je me dis, c'est quand même un endroit là, assez gros. Alors, on a, à travers le projet, eu l'occasion d'essayer déjà de déployer la technologie à travers le Québec.
c'est pas toujours évident de convaincre les gens sans résultat. Okay? Comme je disais Philippe tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, ça a l'air intéressant votre technologie, mais en tant que les résultats ne sont pas sortis et que vous n'avez pas publié votre étude, on ne va pas trop bouger. » Moi, mon espoir, c'est que au vu de l'article qui montre vraiment des résultats encourageants, encore une fois, soyons modérés, c'est pas magique. J'espère qu'il y a effectivement, on va avoir plus d'écoute, mais c'est long comme processus. Le centre PIC dont parle madame, c'est un centre d'activité physique à l'Institut de cardiologie de Montréal, qui est peut-être aussi un petit peu plus spécialisé dans tout ce qui est maladie cardiovasculaire. C'est peut-être une des raisons qui pourrait expliquer, mais je ne suis pas professionnel pour... Il y avait une autre question ici de madame ou... Ah, c'est toi qui as le micro. As-tu une question, Caroline? J'ai une question aussi, mais après. Moi, je voulais juste savoir, un coup qu'on voit faire la genougraphie, est-ce que sur place, ils vont nous donner des exercices? Puis est-ce que ces exercices-là sont donnés par des physiothérapeutes? Oui, alors, sur place, pas tout de suite. Ça se passe en deux temps. Il faut y aller une fois faire le test. Ensuite, il faut qu'ils analysent vos courbes. Et on vous rappelle pour prendre connaissance des déficits mécaniques et des exercices qui sont proposés. Ça, c'est fait par un physio. Comme disait Philippe tout à l'heure, c'est un coût associé à ça. Est-ce que c'est pour ça que les physiothérapeutes qu'on va voir ne nous parlent pas de la genougraphie? je pense que c'est plus parce qu'ils ne la connaissent pas pour l'instant. Ouais, okay. C'est pareil, il faut qu'on en parle dans les formations aux physios. Introduire une technologie dans le système de santé, je peux vous dire que c'est un long processus, mais on est bien parti. Je peux juste demander une question aussi à nos deux patientes. Tu sais, on a une salle ici pleine de différents patients. Donc, d'autres que effectivement aller voir vos professionnels de santé et bien consulter pour les différentes options, avez-vous des autres recommandations en termes de qu'est-ce que vous avez chacun l'amené à votre expérience avec vos professionnels de santé, de comment vous avez bien travaillé ensemble avec eux pour... vraiment voir c'est quoi atteindre vos objectifs en termes de votre santé. Est-ce que vous pouvez juste ajouter un peu de comment vous avez, qu'est-ce que vous avez en termes de recommandations aux autres patients quand ils vont avoir des réunions avec leur professionnel. En fait, qu'est-ce que vous avez fait dans votre quotidien, comme quand vous êtes allé voir aussi vos cliniciens, mais qu'est-ce qui a fait de par vous-même que vous avez décidé de prendre en charge un peu vos problèmes de genoux, tout ça? Bien, moi, j'ai toujours dit, écoute, la santé, c'est le numéro un. Moi, j'ai toujours fait la promotion des saines habitudes de vie. Moi, je veux faire des activités jusqu'à ma mort, là. Pour moi, c'est primordial. Puis moi, dans l'état que j'étais, c'était comme, oups, je pourrais quasiment plus faire d'activité physique, j'étais limité. Donc, pour moi, c'est un investissement, oui, premièrement, d'argent, c'est un investissement de temps, parce que je veux vieillir en santé, je veux terminer mes vieux jours en santé. Puis quand j'ai fait l'exercice, j'ai fait le test, puis bon, ben, j'y croyais, tu sais, j'étais comme, OK, ben, ça a l'air beau, mais je ne le ferai pas vraiment, puis ça va bien aller. Mais là, quand j'ai vu que ma santé détériorait, là, c'était comme, wow, je ne peux plus me permettre ça. Donc, c'est là que j'ai pris quelqu'un de confiance. J'ai été voir la coach, la thérapeute. Puis, c'est là que j'ai fait cet investissement-là. Puis, une fois par semaine, moi, je le mets dans mon agenda. Ouais. Pour moi, c'est un devoir de le faire. Puis, c'est ça que je vous dis. Oui, c'est un investissement monétaire. C'est un investissement de mon temps aussi. Mais essayer de trouver les moyens, prendre les moyens du bord. Parce que si vous ne le faites pas, moi, vous l'avez vu, moi, mes tests, ça allait mm-hmm. comme ça. Mm-hmm. On n'a pas le, malheureusement, c'est comme on n'a pas le choix. C'est comme on vieillit, puis même si l'activité physique aussi, si vous avez même un petit peu de musculation pour renforcer vos os, c'est important. Parce que si on ne fait rien, je ne veux pas dire qu'on se laisse aller. Là. Si un moment donné, plus tard, vous allez payer le prix, puis... ça va vous coûter beaucoup plus cher, en plus. Que c'est ça.
Moi, je dirais une chose aussi, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que Bruni vient de dire, mais en complément, j'ajouterais qu'il faut être partie prenante avec les médecins, avec quand les médecins posent des diagnostics, quand les travailleurs, les travailleuses de la santé nous parlent de notre santé, il faut leur parler de notre santé aussi, de ce qu'on veut, des questionnements qu'on a. Tout à l'heure, je disais qu'il ne faut pas s'auto-médicamenter puis s'auto-diagnostiquer. Mais j'avais un médecin qui, malheureusement, a pris sa retraite. C'était le docteur Marquis Fortin, qui a écrit un bel article dans Le Devoir il y a quelques années et qui disait, « Mais moi, je suis content quand les patients arrivent dans mon bureau puis qu'ils ont lu quelque chose sur Internet puis qu'ils me posent la question. » Parce que ça m'amène à aller plus loin, ça m'amène à me la poser, cette question-là, à faire des recherches. Alors, n'ayez pas peur, c'est votre corps, c'est vos genoux, c'est votre santé. Quand vous sortez du bureau du médecin, votre santé, c'est pas lui qui part avec, ou votre état de non-santé, c'est vous qui partez avec. Alors, il faut être partie prenante, puis il y a plus en plus de jeunes médecins qui aiment ça maintenant, puis qui veulent qu'on soit avec eux, puis qu'on pose des questions. Alors, n'hésitez pas. Puis, une chose que ça, c'est mon dada, par exemple. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui a parlé d'homéopathie, mais moi, c'est pas l'homéopathie, mais c'est ne pensez pas que les médicaments vont tout régler. Des médicaments, ça a des fonctions bien précises dans des situations qui sont bien précises. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais pour l'arthrose du genou, moi, j'ai de l'arthrose dans les mains aussi. Il n'y a rien à faire. Je vis, la dame parlait tout à l'heure, elle se réveille la nuit. Moi, mon arthrose dans les mains, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Mais je me suis dit que ça ne m'arrêterait pas. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent de vivre, mais vraiment, là, au propre. Mm-hmm. Alors, moi, ça ne m'arrêtera pas. Alors, prenez-vous en main, discutez avec vos médecins, puis apprenez, je finirai en disant ça, c'est fou un peu, hein, mais apprenez à vivre avec une petite douleur. C'est ce qui nous permet de vivre vieux aussi. Merci, merci beaucoup, Marie-Hélène, c'est un beau témoignage. Puis effectivement, moi, c'est un peu ça que j'ai vécu, comme tu le mentionnais, mais on dirait plus qu'on a mal, moins qu'on en fait un petit peu, puis pire, ça, puis notre situation. Cet été, j'ai cessé de faire du vélo un petit peu à cause de la douleur dans les genoux, puis franchement, ça a beaucoup de répercussions sur tout le reste de notre vie. J'aimerais conclure sur cette note, parce que franchement, je pense qu'on a eu des beaux échanges, tout le monde. On avait une super belle salle. Merci beaucoup à Nicolas. Je te souhaite de continuer dans cette direction-là, de lancer la technologie au mieux que tu peux. Puis, je pense que ça encourage, en tout cas, beaucoup tout le monde là, qui souffre de cette pathologie qui n'est pas drôle puis avec laquelle on vit tous les jours. Merci énormément, Bruni. On ne lâche pas. On va te regarder aux Jeux olympiques dans quelques années. Sinon, ça a l'air qu'il y a sa fille qu'il faut surveiller. Donc, sa fille, bientôt. Ouais. Ouais, et Marie-Hélène, merci énormément. J'espère qu'on va se recroiser. Puis, moi, demain, je m'en vais à la clinique. Je refais une jeune graphie. Alors, merci à tout le monde. Puis, j'aimerais qu'on applaudisse.